dans le ciel. Non, vous ne voyez pas tout. On croit qu'ils sont morts, mais c'est faux. Oubliez les clichés. Dans l'entrée, il y a un arrosoir. Petit phénomène parisien, mais l'italien en a eu l'idée. On aime, on ose, on adore. Est-ce grave, docteur? Les dés sont jetés. À peine rentré de vacances, la réalité vous saute au nez. Étrangement, plus la vie ressemble à un roman, plus le roman s'éloigne de la vie. On rêve? Pas tant que ça. C'est une simple question d'habitude. Les talons aiguilles attaquent, moi chez moi, toi chez toi. Sublime déclaration d'amour, affreuse déclaration d'impuissance. Cet incident de parcours arrive souvent. Le parfum, c'est donc vraiment une histoire de séduction. On étudie toutes les solutions. Le matin, quand je me lève, je fais des bonds. J'ai peur de mon ombre. Parfois, je change 3 fois de t-shirt ou de veste. Je suis sensible et j'en suis fier. Maintenant, elle s'inquiète. Les drames, on les a déjà vécus. Quand on pense ne plus s'aimer, on réagit comme des célibataires. Elle n'ouvre pas mon courrier, je n'ouvre pas le sien. Il y a longtemps qu'on est d'accord là-dessus, mais je ne me lasse pas de ses arguments. Un temps, je la faisais trop rire. La soupe est bonne, mon général. On récupère tout à partir du moment que c'est utilisable. J'ai su pourtant que tout s'aggravait quand une amie a murmuré songeuse. De ma vie, je n'ai entendu une chose aussi révoltante. L'écriture minimaliste ne raconte rien, n'explique rien. Un non-dit quasi total dont chaque ligne pourtant hurle une évidence. Bizarrement, quand ils se promènent en forêt, les hommes et les femmes ne voient pas les mêmes animaux. Il faudra maintenant consulter un médecin avant de se présenter devant Monsieur le maire. Le parfum, c'est donc vraiment une histoire de séduction. On étudie toutes les solutions. Histoire de séduction, on étudie toutes les solutions. Un jour ou l'autre, une douleur, une épreuve, casser le couple, j'étais son esclave, je souffrais terriblement, il me trompe mais je l'accepte, je me passe un film, sans une idée vraie et fausse, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces pensées, la piste du bonheur, la façon la plus discrète de se faire remarquer. Encore un bon motif pour se distinguer. Comment les vrais gens racontent leur vraie vie? Qui sont-ils, elle et lui? Le parfum, c'est donc vraiment une histoire de séduction. On étudie toutes les solutions. Voici une semaine importante. Pardonner ou ne pas pardonner. Une affaire embarrassante. Toute la procédure est entièrement gratuite. Essayez. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Réfléchissez. Vous allez voir ce que vous allez voir.